Bon, aujourd'hui, on s'attaque aussi à une grosse pièce, c'est Les rêves sont en nous. Ben, c'est probablement une de ses chansons les plus connues, une de celles que je préfère. C'est une magnifique chanson. Et donc, celle-là aussi, j'ai mis du temps à savoir comment j'allais la faire. Je voulais pas la rater. J'espère que je l'ai réussi. Donc, ça m'a tourné beaucoup dans la tête et à un moment, j'ai eu un déclic. Parce que j'écoute beaucoup de musique différente. J'écoutais l'album de piano solo d'un de mes collègues qui s'appelle Jean-Philippe Collard-Neven, qui est un fantastique pianiste qui mériterait d'être plus connu, un plus en Belgique. Et au départ, c'est un pianiste classique, mais qui peut jouer tout. Il peut faire du jazz, du new age, tout le bazar. Je suis très jaloux d'ailleurs. Et il a fait un album qu'on peut qualifier de new age pour le Japon qui s'appelle Between the Lines. Et il y a un morceau qui s'appelle Toinu que j'ai dû écouter 500 fois. Et après ces 500 écoutes, ben, je l'avais en tête et je trouvais qu'il y avait une similitude avec tous les rêves, en tout cas la trame harmonique, ça, je les entendais tous les deux ensemble. Donc j'ai demandé à Jean-Philippe si je pouvais m'inspirer de son intro, ce qu'il a accepté gentiment. Donc voilà, je l'ai peut-être un peu changé, je l'ai fait à ma manière, c'est pas la manière c'est pas exactement ça, j'ai même pas regardé la partition, j'ai fait ce que j'avais en tête. Et donc j'ai inclus cette petite réminiscence à Toinu dans le morceau, vous allez les voir, je ne vais pas vous dire si c'est l'intro. Et puis voilà, mais le morceau à la fin il change de ton, Pierrot il passe de ré en mi mineur, et là je voulais quand même donner un peu de tâche, je voulais que ça chauffe un peu plus. C'est un peu un espèce d'hommage. Et alors là on s'est pas pris le chou avec Christian, le coproducteur, mais Christian il trouvait que c'était parfois un peu trop. Hot, la fin trop rapide, je l'ai fait un peu plus jazzy, enfin vous allez voir, je vais faire, à vous de choix, à vous de me donner votre avis. Je pars un peu en improvisation, il y a certains morceaux, je l'avoue, je les ai fait avec un clic, pour me mettre une bride, parce que parfois j'ai tendance à accélérer, très peu je les ai fait comme ça, mais celui-ci surtout pas, je voulais justement donner beaucoup de vie dans ce morceau-là, voilà.